tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nouvelle journée, donc nouveau vlog encore une fois. Donc là programme, on savait pas trop si on allait à la plage ce matin ou pas, mais on voulait y aller, mais en fait on doit passer à Perpignan pour aller chercher nos billets de train. Donc du coup on va prendre le bus pour aller là-bas. Donc je n'ai toujours pas de perche, pour la simple et bonne raison que la machin pour accrocher s'est cassé en deux. Voilà. Qui s'est cassé dans mon sac, donc du coup là on va aller à Perpignan tranquillement, on va aller acheter nos billets de train pour partir demain parce que en gros c'est la dernière journée où vous allez être avec moi. Cet après-midi on va essayer d'aller un peu à la plage, on va aller au port parce qu'on a quelques petits trucs à prendre, mais vite fait quoi. Voilà, et donc du coup là le bus on l'a à 10h09 et il est 9h29, donc là en fait on va partir. Donc du coup je vous retrouve tout de suite quand on part là maintenant. Donc tout de suite. Ouais. Donc là c'est bon, on part, donc on va à l'arrêt de bus et je vous retrouve à l'arrêt de bus. À tous. Prendre le train de 11h06, non, le bus de 11h06 demain et prendre le train de 15h36 parce que comme le bus d'aujourd'hui il a été en retard pour venir jusqu'ici, on s'est dit on va prendre de l'avance et on prendra celui d'avant et non pas celui d'après. Donc voilà, à la gare ils ont vu Vivian de Secret Story, enfin oui de Secret Story et des anges de la télé-réalité. Apparemment il avait un sac mignon mais moi je l'ai pas vu donc dommage. Sinon, voilà, je refais une photo avec lui parce qu'avec son sac mignon, apparemment, il passe pas inaperçu. Mais bon, je pense qu'il a déjà pris le train et tout, donc voilà. Là, programme, on attend le bus et puis après, on va aller à la plage un peu avec ma mère. On va voir. Donc, je vous tiens informé, sachant que ma cousine arrive vers 4h30. Non. Voilà, 21h30 ce soir. Je vous dis d'aller. Coucou tout le monde! Là on est revenu en bus, on rentre un petit peu à pied et puis on arrive à la maison. Voilà. Donc là ma mère va se poser un petit peu, on va aller faire un petit tour, je sais pas, on va voir. Parce que là je suis un peu fatiguée. Voilà parce que... Parce que une heure de bus, c'est très très long. Puis attendre le bus là-bas depuis Perpignan, c'est très long aussi. Voilà. Donc du coup, là on va se poser à la maison et ma cousine arrive vers. Je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave, je répète. Ma cousine arrive vers 21h30, ma grande et ma petite cousine. Mais ma petite cousine qui est grande quand même d'âge. Je passe à travers les fourrés. Voilà. Donc pour l'instant on est tranquille. Nous on s'en va demain matin vers 11h09. Donc bon, c'est la dernière journée qui est pas très très intéressante. On peut en vlog. Je vous avoue. Bref, je vous retrouve quand on arrive à la maison. Donc je vlog toujours avec mon téléphone comme tous les jours depuis que je suis arrivée ici. Voilà, donc en fait là moi je suis partie à Super U, j'ai acheté de quoi manger pour ce soir. Voilà, mes cousines normalement se font un McDo, nous on n'avait pas envie avec ma mère, sachant que demain il faut qu'on finisse de préparer des trucs je pense
de la dernière minute parce qu'il nous reste des choses qui ne sont pas rangées. Voilà. Du coup, là, j'ai Pompon qui s'est calé sur moi. Et donc, du coup, voilà, ma mère était partie pour retirer des pesetas. Mais apparemment, la banque est fermée, le truc coulissant ne s'ouvre pas, donc du coup, c'est un peu la merde, elle a peur et tout. Donc, du coup, bah, je crois qu'elle va re-rentrer directement. Voilà, j'ai acheté du pain aussi en même temps. Et programme de ce soir, rien d'extraordinaire. Je pense qu'on va regarder Arthur avec ma mère ce soir. Mais bon, je pense que je vais essayer de vous retrouver un peu plus tard. Encore une fois, désolée si le vlog n'est pas très très intéressant. Je sais qu'avec ma mère, on devait aller au port. Tu vas me griffer. On devait aller au port pour aller acheter des petits trucs, mais j'ai un peu mal au genou. Ma mère a un peu mal au genou. Voilà, parce qu'on a tellement fait de choses les premiers jours avec ma tante. Donc, du coup, on n'en peut plus à la fin du séjour, on va dire. Donc, du coup, bah, aujourd'hui, on a. Je baisse un peu la caméra, je suis désolée. Du coup, aujourd'hui, on n'a pas été à la plage. On n'a rien fait. Clairement. J'attends que ma mère revienne pour pouvoir aller prendre une douche vite fait. Parce que là, j'en peux plus à cause de la chaleur. Je sue, j'en peux plus. Et voilà. Résultat, pour l'instant, je fais rien. Faut que j'allume la télé en essayant de virer un peu Monsieur Chat. Monsieur Pompon. Pour allumer la télé, parce qu'en fait je croyais l'avoir allumée, mais en fait ça s'est pas allumé, c'est comme ça là-bas. Voilà. Du coup, voilà. Que vous dire de plus? Ben, du coup, je vous dis un peu plus tard quelque chose d'intéressant. Donc, à toutes. Je suis toujours sur le canapé, je viens de vous parler à l'instant. Donc là, il y a Pompon, je crois qu'il commence à bouger. Qu'est-ce que tu veux? Alors, il se fait la toilette sur moi, bien évidemment. Enfin bref. Donc en fait, là, je vais aller vite faire la douche parce que vraiment, j'en peux plus. Donc j'ai prévenu ma mère au cas où j'étais à la douche qu'elle ne s'inquiète pas. Voilà, elle m'a dit qu'elle attendrait devant la porte, mais bon, on va essayer d'éviter. Hein, voilà. Donc je vais y aller vite fait. Et du coup, ben, là, vraiment, je vous retrouve un peu plus tard. Donc à toutes. Donc je suis sortie de la douche, je me suis seulement lavé le corps parce que mes cheveux, je les ai lavés déjà ce matin. Enfin non, hier soir pardon. Parce que ce matin, c'est vrai, j'étais pas là. Voilà, donc j'avais pas besoin de les relaver parce que je me suis lavé au moins deux fois hier et comme j'ai pas été me baigner et que je me les lave tous les deux jours. Voilà, voilà. Donc voilà, du coup, je me suis mis en pyjama. Voilà, il est mignon, du coup. Pyjama, une glace. Bref. Donc voilà, j'ai pris ma douche, maintenant j'attends ma mère. Et comme tout à l'heure, bah, je vous retrouve un peu plus tard. Regardez-moi ce pomponnette. Il croit qu'il va venir sur moi. Ah, pardon, ta queue. Bah, si tu la mettais pas là, ta queue, il y aurait de la place pour deux. Oui. Voilà, donc en fait je le laisse se caler à côté de moi. Sur le canapé posé. Normalement il vient sur moi, mais là je viens de prendre ma douche. Du coup. C'est mort! Regardez-moi ses yeux qu'il me fait. Arrive pas trop le canapé toi. Hein? Enfin bref. Tu dis bonjour Pompon? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Oui, youhou. Cette tête. Bah, allez à toutes les gens. Tu dis à tout à l'heure? J'ai entendu quelque chose. À tout à l'heure. Pompon. Dis à tout à l'heure. Re-coucou tout le monde. Là, il y a une luminosité de merde. Je vais aller dehors. Voilà. Donc là il est 20h32. Ma cousine, ma petite cousine qui est assez grande quand même, et ma grande cousine arrive vers 9h, 9h30.
Par là? Non, non, on mange McDo, on comprend plus rien, ma mère, on est un peu énervée. Voilà, parce que soi-disant, il y a plein de trucs, je peux pas trop vous expliquer, mais bon, il y a des trucs un peu relous. Voilà, donc nous, avec ma mère, on mange en général à 8h, donc on a mangé. Et elle, comme elle avait prévu de manger McDo, ben voilà, on n'a rien préparé, il n'y a rien dans le frigo, on ne peut rien leur faire. Et en gros, ma tante a fait le reproche. En gros, ma tante a fait le reproche. Ben bref, c'est pas grave. C'est énervant, mais. Donc, on va regarder vendredi, tout est permis ce soir à ma mère, parce que je crois qu'il y a ça ce soir à la télé. Voilà, donc on va rien faire de spécial. Il faut que j'aille ouvrir le portail quand elles arrivent avec le bip pour qu'elles puissent rentrer la voiture. Voilà, et on va rien faire de spécial. Donc, du coup, je vais conclure ce vlog maintenant parce que voilà, ça va pas être un très, très, très intéressant après. Donc voilà, donc comme d'habitude, les liens des réseaux sociaux sont en barre d'informations. Et moi, je vous retrouve demain pour le départ pour rentrer sur Toulouse. À mon avis, le dernier vlog, vous le verrez quand je serai déjà sur Toulouse. Donc, ben, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.